Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation d'un tour qu'on a reçu qui s'appelle Glacier. Alors, on fait cette petite présentation parce que déjà c'est un truc qui existe depuis longtemps. Thierry adore cet effet, puisqu'à l'avant c'était sous le nom de Water ou un truc comme ça, de Polaris. Rappelle plus Je le ne me nom rappelle plus comment exact. ça s'appelait. Après, il y a des versions très Bref, très voilà, bas après, de bon, oui, il y a gamme, des. où on peut pas faire tout ça. Exactement, mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui nous avait plu, il n'y en avait plus, donc du coup, c'est revenu sur le marché avec un petit truc différent, donc c'est très très bien. Et comme on a Ça. fait l'explication, on s'est aperçu de tout ce qu'on pouvait faire avec, Exactement. et plus même encore, puisqu'on a rajouté des choses, et bien c'est pour ça qu'on fait la review. Exactement. Voilà, parce qu'en plus, c'est joli, c'est vrai que ça plaît aux spectateurs. Donc l'idée de ce tour, on va présenter tout simplement une petite curiosité magique et en même temps physique, hein, puisque tous les gens ont fait cette expérience du verre avec la carte retournée. Le verre rempli d'eau, on met une carte postale ou une carte à jouer, et puis hop, quand on enlève la main, ça tient. Mais du coup, nous, on va aller plus loin forcément dans cette expérience, puisque on va retirer la main, l'eau va tenir dans la bouteille en plus pour montrer qu'il n'y a pas de bouchon ou de quelque chose qui cache le trou. On va venir insérer des petits objets dans le goulot et effectivement ça va traverser, ça va monter dans la bouteille. Donc c'est extrêmement joli, c'est extrêmement bluffant et en plus en claquant des doigts, l'eau peut s'écouler, tomber par terre, tomber dans un récipient ou alors tout simplement donner la bouteille à examiner. Et c'est vrai que c'est très beau parce qu'on peut donner entièrement tout à examiner. Et les gens ne verront absolument rien. On peut le Pourquoi? donner Ben parce que avant et après aussi. avant et après, tout simplement parce qu'il n'y a rien à voir. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, je ferai une petite démonstration vite fait pour vous montrer comment ça se passe. On peut même le faire et le refaire instantanément à une Ah, autre table. tout à fait. Ça peut être le reset et instantané sur ce truc-là, puisque vous n'êtes pas obligé de faire couler l'eau, hein, tout simplement. On a plein d'idées, plein de façons de Il y a plein faire. d'idées, ouais, effectivement, plein de façons de faire. On a trouvé, nous, parce que alors c'est vrai que c'est vendu en tant que, ah oui, mais l'inconvénient, c'est qu'on peut le faire qu'avec cette bouteille. Eh bien, c'est pas vrai, parce que nous, On a on testé. a testé en fait plein de bouteilles, alors, des bouteilles qui marchent, des bouteilles qui marchent pas, mais on a surtout trouvé une solution qui est extrêmement mais simpliste, qui se fait en quelques secondes, et on peut le faire avec nos propres bouteilles en France. Donc ça, c'est on vous donnera les explications. Donc il y a des petits trucs à préparer sur une bouteille, mais qui est insignifiant. Hein, c'est pour donner examiner la bouteille, c'est à la loupe, les gens verront rien. Donc on peut faire, et je vous le garantis à 100%, que on peut le faire avec des bouteilles françaises. Allez, c'est parti. Je vous le fais donc avec le matériel, bien sûr, qui est vendu avec, et directement sorti de la boîte. Comme vous pouvez voir, il y a de l'eau partout. Donc c'est pour ça que je me suis muni d'un petit récipient et je vais vous montrer donc ce que vous allez pouvoir faire. Version de base, vous arrivez avec votre bouteille, vous la dévissez, vous montrez une petite bouteille d'eau, vous enlevez tout ça, vous mettez la main par-dessus, vous basculez, hop là, il y a de l'eau qui coule, c'est pas grave. Et d'un coup, vous enlevez le doigt et miracle, ça tient. La plupart des gens vont dire, oh oui, mais c'est simple, elle est bouchée. Je peux m'approcher. Ah, tu peux t'abrocher. Donc du coup, vous allez montrer effectivement en passant en fait des petites choses à l'intérieur que la bouteille en fait n'est pas bouchée et que effectivement on peut bien passer des choses à l'intérieur. Et là, le miracle va se produire. On tient la bouteille, on va claquer des doigts et quand on claque des doigts, l'eau coule instantanément alors que vous n'avez rien fait. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Hop, les bâtonnets tombent si vous avez envie et vous pouvez bien évidemment faire tout donner à examiner. Puisque voilà, le tour est fini, l'eau elle s'est échappée, ça a coulé, c'est terminé. Alors dans les deux versions, ce qui est bien, alors là bien évidemment, c'est la version ultime, puisqu'on peut tout donner à examiner quand ça coule, mais quand ça coule pas aussi et qu'on récupère l'eau par le capuchon, on peut aussi tout donner à examiner. Voilà, je joue pas sur les mots, c'est vraiment intéressant, le truc est bien fait pour qu'on puisse tout donner à examiner. Et voilà, donc c'est en plus quand on dit qu'on donne à examiner ce type de matériel, c'est pas on donne à examiner, mais c'est truqué. C'est le gimmick entre guillemets n'existe plus, donc du coup ils peuvent plus le voir. Et là, tout ce que je vous donne là, ça reste complètement 100% examinable et il n'y a pas de trucage sur ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même très très joli. Ça fait son bel effet. Pour ceux qui connaissent un peu ces effets physiques, là d'un coup ça va quand même. Oh tiens, là c'est intéressant.
Et je trouve que c'est quand même super joli. Donc bien sûr, je pense qu'il faut quand même faire ça complètement ou soit en extérieur, ou soit si vous le faites en intérieur, en par exemple en salon scène, enfin salon plutôt, parce que scène ça fait un peu loin, je pense que c'est ridicule de faire cet effet, mais il vaut mieux venir d'une vase que d'un bol ou d'un truc comme ça, parce que déjà, bon, faire tomber 500 millilitres, je sais pas combien c'est ces bouteilles là, ou 33 peut-être. Non, 500, ouais. Bon, ça fait beaucoup d'eau par terre, et dans une vasque, bon, c'est voilà, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. Voilà, tu voulais dire quelque chose, Thierry? Non, bah, le tour est bien. On te donnera plein Alors, d'idées, ça c'est sûr des idées perso. c'est sûr qu'on vous donnera plein d'idées. L'explication qu'il y a dans le. Hein, je te dévoile pas le lien, non, il est derrière. L'explication qu'il y a dans ça dure 5 minutes 15, ou un truc comme ça, 5 minutes 20. C'est vrai que nous on a une très très grosse explication. Déjà, on vous explique pourquoi ça marche et comment ça marche, mais surtout comment on peut faire avec des bouteilles françaises. Et là, je vous avoue que c'est le top, ben, parce que bon, si vous perdez le gimmick, c'est sûr que c'est mort, mais si vous cassez la bouteille ou un truc comme ça, forcément, la plupart des gens penseront que le gimmick leur sert plus à rien, et c'est pas vrai, parce que nous, avec nos bouteilles françaises qu'on a, qui sont des bouteilles classiques et qu'on trouve partout, ça fonctionne et ça fonctionne à la perfection. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on fait cette review, c'est pour vous dire ça. Voilà! J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement. À bientôt!